Bonjour à tous, aujourd'hui, petit... Ouais, je voulais faire un tutoriel au début, en me disant, ouais, je vais tout leur expliquer ce qui se passe sur CSGO, et finalement, ça me fait carrément chier de présenter les menus, etc. Enfin, vous êtes pas con, vous arrivez à lire, hein. Vous mettez le jeu en français, ça vous dérange l'anglais, et puis, vous arrivez à trouver ce qui va pas. Par contre, j'ai été sélectionné pour la bêta Overwatch. Donc l'Overwatch, qu'est-ce que c'est? C'est un truc. Ouais, c'est un truc. Voilà. Un truc qui permet de regarder des gens qui ont été signalés pour cheat. Ou pour cheat ou griefing, ils appellent ça. Griefing, c'est l'abus, genre je bloque, je TK. Je passe devant le mec pour me faire TK et des trucs comme ça. Donc on peut dénoncer les gens si jamais ils ont la gamebot. Et nous on va voir quelques instants, environ 10 minutes, de la partie du joueur dénoncé pour pouvoir émettre un avis à la fin de la vidéo. Donc là j'ai cliqué sur Download Evidence. Moi j'ai joué en anglais, je suis un mec. Et là donc je clique sur Review Evidence et là c'est marqué Starting Overwatch Session. C'est parti. Donc voilà, on charge comme une partie normale et là on arrive, voilà, donc les débuts de partie, le temps du bail et le temps du bail, ah tout le monde doit battre de la tête comme ça, le temps du bail est passé en fast forwarding, c'est-à-dire que permet de pas perdre de temps quand on a mis... Voilà, donc lui il a pris un poc, il a clairement pas de wallhack. Donc là on est en fast forwarding encore. Dès que le mec est mort, on passe en avance rapide. On ne peut pas reconnaître les joueurs, on peut difficilement reconnaître la partie. À part s'il y a quelque chose de suspect et qu'il était dedans, franchement je le vois pas. Puisque les noms, donc notre suspect s'appellera toujours le suspect. Et les autres joueurs de la partie, que ce soit CT ou Kero, ont des noms de bots, des noms aléatoires. Donc ça permet de pas... Ouh, ça vous avez vu ça. Ça c'était du sérieux. Ah non, juste une bonne ligne, juste une bonne ligne. On est d'accord. Oui, donc qu'est-ce que je disais? Ouais, on ne peut pas reconnaître les gens parce qu'ils ont tous des pseudos. Donc c'est très difficile de reconnaître. Et donc là on regarde au fur et à mesure, on peut enlever le X-ray qui permet de voir, c'est important pour le Wallax ça hein. Voilà, il a pas vu le mec en haut, mais c'est normal. Donc voilà, toujours en fast forwarding, en avance accélérée, pardon. C'est la bilinguitude. Toujours en avance accélérée pour le début. On va voir. Normalement c'est assez spoté. Ah, on va-t-il la couper? Oui, mon bonhomme. Allez hop, je te tire dessus au travers. Y'a pas de soucis, vas-y, tiens. Je vais pas sur l'autre là-bas, non. Ah là là là, c'est désastreux, scandaleux dirais-je. Allez, je te tire dessus au travers la map là. Et comme je suis nul, je te tire dessus. Voilà, t'es nul à chier. T'es nul à chier, voilà. Il le tire en travers, il a aucun scrupule le mec, aucun scrupule. Il est nul, il est vraiment nul. Quand t'es travers dans tous les sens, pas de soucis. Donc là je pense que je vais clairement émettre l'idée d'un Wallach, même si dans les premiers rounds il n'était pas du tout suspect. Donc il s'est fait poker comme ça au-dessus de la caisse textée. Mais là franchement, le mec qui traverse le B1 exactement sur lui 3 fois de suite, il n'y a plus de question à se poser. Mais il a très bien vu qu'il avait rushé. Il a peut-être averti son pote. Ah non, mais non, il a découvert. Oh là là, il décale dessus, il est nul, mais il décale dessus. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a sinon. Oui, on a un graphe aussi, si on fait moi c'est donc
J'ai même pas besoin de faire ça, j'ai juste la molette pour savoir où on est notre ami. Si forcément le mec qui fait si le mec fait 50-0, on peut se dire que il a un logiciel tiers en .exe, je pense. Enfin, je pense qu'il est un peu suspect, quoi. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour la partie Overwatch. J'étais fin heureux d'avoir cette option. Ça fait un moment que je l'ai, en fait, cette option, mais mais j'avais pas encore fait de vidéo dessus. Mais là, je suis très très heureux. Donc là, il a très bien vu qu'il est calé. Oh là 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 là, les pré-shots, il arrive à 30-91 quand même. Il se prend à se prendre un poc parce qu'il a pas regardé sur le B. Hein. Oh mon dieu, il shit et il est nul. Et ces gens-là, c'est pas un ban, c'est la mort qui leur fait. On va taper ça. Alors là, là, on va. Oh là 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 là, il est magique! Fais-moi rêver! Allez, hop dessus! Allez, Aimbot aussi, je prends un! Ah oui, allez hop, c'est parti, Aimbot en plus! Il n'y avait pas assez niveau là! Remarquez, c'est un travers. À mon avis, il y a quelque chose. Je suis allé sur les hacks. Il les suit à travers. Je suis allé sur les hacks X22 là. C'est ce qui était qui vend du shit par abonnement. Et il y a vraiment des shit insoupçonnés en fait. Des trucs qui visent seulement la tête ou seulement le corps. Une fois le corps puis la tête. Ou une fois la tête puis le corps. Enfin. Des trucs de folie en fait quoi, j'ai jamais vu ça. Bon bah lui il est spotted le rigou là, allez comme un jeu, voilà, fais-moi rêver, allez hop, 3 kills dégueule. Qu'est-ce que je disais, il me fait pas mon fil, il y a personne là en fait. Il m'a fait perdre mon fil, oui donc voilà, je sais plus. Mais c'était bien sinon hein. Oui. Donc oui, si la review dure à peu près 10 minutes, c'est le temps estimé par Steam, en sachant que là des reviews comme ça, il n'y a pas grande question à se poser. Hein. Tu peux pas rusher en forêt que je te mette un avis négatif et que je puisse continuer ma vidéo tranquillement, puisque là on avance quand même pas, quoi, c'est malheureux. S'il te plaît, va tuer Donkey. Allez, mais tu le vois à travers la smoke, il est là-bas. Oh là 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 là. Le mec ne va pas regarder, il pourrait très bien être à gauche là. Hop, décale en marchant. Il pourrait très bien être à gauche là aussi. Il a vu que les deux étaient pas en sûr. Allez, hop. Ah, il sait que tu vas décaler quand même. Faut que tu te dépêches de poser, mon homme. Allez, pépère. Il l'a vu, mais il est vraiment con. En plus, franchement, il est con. Vas-y, pépère. Oublie que t'as aucune chance. Ok. Putain, il est nul. Ah, il va se faire péter. Ah, oh, je vais faire. Ah, d'accord. Oui, donc les mecs ont des vieux noms, genre eux. Tu peux décaler et tirer. Qu'est-ce qu'il est nul. Et oui, donc sur les cheats d'X22, on peut activer et les activer à sa guise, tout ça. Enfin, je veux pas faire de la pub. Il s'est fait tuer en plus. Oui, donc sur ces cheats X22, on peut désactiver et activer à la volée tout ce qu'on veut en fait. Voilà, Aimbot, Aimbot plus ou moins spotted, de je te tire dans les pieds, je te tire dans la tête. Bref, voilà, c'est trêve de pub pour ces jolis logiciels malfaisants. Aim Assistance. Je pense que c'est une évidente beyond a reasonable doubt. Vision assistante. Je pense aussi qu'il a été assisté. Speed hacking, voilà, on peut report pour speed hacking. Enfin, émettre un avis pour. Là, il n'y avait pas apparemment. Griffing non plus. Griffing, c'est voilà,
délibérément interférer avec. Non, j'ai une très mauvaise traduction de l'anglais. Délibérément essayer de tirer sur son équipe ou de se faire tirer dessus par son équipe. Genre, je passe devant la web quand je sais qu'il va tirer, etc. Des choses comme ça. Et là, donc, une fois que j'ai sélectionné ça, je peux soit, si je suis pas sûr, remettre à plus tard mon jugement. Parce que je suis un mec qui juge. Soit submit the verdict right now. Ce que je vais faire tout de suite d'ailleurs. Voilà. Voilà, donc c'était cette partie Overwatch. Si vous voulez voir et revoir mes vidéos, c'est la première celle-ci, hein, mais il y en aura de plus en plus. Eh ben, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. À plus.